Waouh! Bonjour et bienvenue dans cette deuxième VOD sur cette saison 2 sur Oregon Trail! La première saison s'était déroulée avec des accros, on avait eu des morts. On va essayer de faire en sorte que cette saison 2 se passe à merveille et pour le moment ça se passe plutôt bien. Et nous étions arrivés dans ville. Et quand on arrive en ville, on achète des upgrades. Et oui, on achète des upgrades. Pour 55, on peut avoir les Super Last Tire. Des roues qui auront moins tendance à se péter. Ça, c'est cool. Enfin, des pneus qui auront moins tendance à se péter. Ça, c'est de la balle. Mais oui, je peux me le permettre. J'ai 366$. L'argent des abonnés, quoi. Et du coup, bah, c'est bien. On a fait notre journée. Par contre, ouais. Quelle heure il est là? Médium, 9h du matin. Non, 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 on va pas se reposer maintenant. On va aller scavenge avant. On va aller scavenge. Alors moi je suis un fou du rifle. Je suis un fou de la gâchette moi. Ah, aucun zombie ne peut m'attraper. Je suis le plus rapide de tout. Carrément de tout l'univers, hein. Enfin, au moins de toute la Terre, ça c'est sûr, puisqu'on n'est plus que les derniers. On est les derniers survivants. Oh, il y a de la bouffe là-bas. Là-bas, il y a de la bouffe. Vas-y, cours, 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 cours. Attrape cette bouffe. Oui. Est-ce que j'aurai le temps pour celle-là? Oh oui. Et j'ai même le temps de faire une petite danse de la victoire. Oui, 370 kilos de bouffe. Oh là là. Mais par contre, on peut en ramasser que bah, 250, c'est dommage. Et 22 scraps. Un fou de la blinguette. Zombie activity low, on en profite, hein, tant qu'à faire. Oh, tellement de bouffe, oh là là. Non mais on va être marchand de bouffe, hein. Je crois que ça va être mieux, hein. S'il y a des survivants qui viennent nous voir, hein, nous on a des milliards de kilos de bouffe. Ah, on va baser toute notre fortune sur la bouffe. Carrefour virus. Venez nous acheter de la bouffe pour survivre. Oh, celui a rasé le crâne. 240 kilos. Oh là 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 là. On a 1542 kilos de bouffe. Rien à foutre, on continue. Rien à foutre, moi j'y retourne. Ah, du scrap c'est hyper important ça. Nous en faut plein. L'argent des abonnés, il est là, il est présent. C'est les dons Twitch en fait. C'est ça. Oh, bout portant. Bouffe, munitions, beat shot. Voilà, dick shot. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, Cortex? Boum! Voilà, balle dans la tête. Et 100 de bouffe, 50$ et 15 de scraps. Oh là 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 là. Mais on croule tellement sous la bouffe qu'on continue en plus. On est tellement des fous. Allez, petite tombe, j'aime pas ça. Bon. Bon. T'as tapé contre un mur. Bon. Dick, dick, dick shot. Headshot. Triple kill. Killing spree. L'argent des abonnés. Monster kill. Yes. Et 100 de bouffe, 20 de scrap, c'est 50$. Et je m'en fous parce qu'on aime l'argent. Oh oui, j'aime l'argent. Eh bien, on continue.
et on met des dick shots. Shot. Le scraps. Je prends le scraps, c'est important le scraps. Ah. Oh oui, regardez-moi ça. Ce sharpshooting de l'infini. Dick shot. Headshot. Monster kill. Killing spree. Sans de bouffe, 45 de scraps, et ben voilà. Et ben voilà. Et on continue. Parce que quand il y en a plus, il y en a encore. Regardez-moi ça là. Là, il y a du scraps encore. Headshot. Oh, et l'argent des abonnés. Ils ont fait un don comme ça. Dans l'amour du stream. L'amour du stream. Virus Tata et Kira. Oui. Personne ne m'aura. 20$ et 22 scraps. Bon, il est peut-être temps d'arrêter. Comment va la voiture? Elle nécessiterait quand même quelques réparations. Oh là, j'ai fait de la merde. Allez, encore un petit peu. On répare encore un peu la voiture, elle sera à full. A complètement loupé. Mais ça c'est Kira, il m'a filé un chewing-gum à moitié mâché seulement. Bon, faut pas trop lui en vouloir, il a un bras pété, hein, quand même. Allez, on va se reposer un peu. Oh putain, Kira, il a quasiment plus de vie, quoi. Je sais pas, 7 heures, hein. Ouais. Un bon petit sommeil réparateur, là. Eh, dis donc, Kira, c'est toi qui m'as touché le cul? Non. Allez, encore une petite heure pour Kira. Ouais, ça devrait être bien. Allez, zou. Ouais, un bras cassé, ça empêche de mâcher, on est d'accord. Mais bien sûr. Hein. Mais dans ce monde, un bras cassé, ouais, ça empêche complètement de mâcher. Hein. Ah, ça nous donnerait une batterie. Ah. Ah, je suis tellement tenté. Mais non. Difficulté suicide, ça serait débile. Bon, je crois qu'on n'a plus rien à foutre ici, hein. Allez, on se casse. 235 miles pour arriver au Remote Shake. La petite cabane dans les bois. Zouazou est exténué. Il est éreinté. Vous vous retrouvez soudainement encerclé par les zombies. Zouazou n'est plus fatigué. Rifle, hein. Ah, je suis tout seul à tirer, ok. Ça, c'est la première fois que ça nous arrive. Allez. Headshot. Allez, il en reste plus que deux là. Boum. Headshot. Et on a survécu. Bah, c'était facile. Mais voilà. Ah, de gros décombres ont bloqué la voiture. Merde. Il y a une tombe dans le lointain. Est-ce que vous voudriez aller la regarder? Bah ouais, carrément. Vada Brogs.
Ok, ça marche. Ça marche, mec. Comme tu le sens. Oh! Po po po! Allez. Ah, il doit pas rester. Voilà, il reste que quelques kilomètres avant d'arriver. Zoazou a balancé 7$ contre un zombie. Non, Zoazou, ça ne marche pas. On peut pas les soudoyer en fait. C'est pas parce que tu fais un don sur la chaîne Twitch des zombies que ça marche en fait. Eux en fait, ils veulent un don d'organes. Vous trouvez des myrtilles. Yeah! J'adore la référence à Evil Dead. Donc ça, c'est la cabane en fait de Evil Dead 2, il me semble. Ou Evil Dead 1, je sais plus. C'est un des deux. De toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme job? Oh! Dangereux. Bandit. Ouais, non, non, aucun des deux n'est intéressant. Combat Trainer. Faster Reload. Ah, ça serait génial ça. Pour 80$. Pour 80$, pardon. Eh ben vas-y. Voilà, Faster Reload. Comment va la voiture? Ouais, elle nécessiterait un petit peu de réparation. Vas-y, il faut se repé il faut se reposer un petit peu. Ouais, tout le monde est quasiment bon. On va aller faire du scavenge. Alors ouais, c'est toujours un petit peu la même chose ce jeu, mais il est super intense, hein. Il est vraiment très très cool, quoi. Très très cool. Stay cool, man. Voilà, un petit peu de scraps. Oh, de la bouffe! Une canette de Dr. Pepper! Je peux pas laisser passer ça, du PQ! Mais non, c'est un rouleau de scotch. C'est pareil! Je l'utiliserai pareil. Ça risque de coller au fion quand même, hein. Ouais! J'adore quand ça colle au fion. Big shot! Headshot! Ouais, 120 de bouffe et 35 de scrap. C'est honnête. Ah, un paquet de Doritos! Doritos Gate Forever! Tellement de bouffe, hein. Munitions, ça c'est toujours cool. Hein. Big shot! Oh, ce faster reload. 250 de bouffe, quoi. Consommation de la bouffe en normal. Ouais, on pourrait même la mettre en plus que ça. On a 2000 de bouffe. On me souffle dans le chat qu'il faudrait que je remette la consommation de nourriture en large. Voilà. C'est une apocalypse gentille avec plein de bouffe, c'est ça. Ouais, Dr. Pepper! Oh, oh, l'argent des abonnés, j'ai eu un tips. Oh oui, un tips. Oh oui. Ah ouais, c'est exactement lui que je visais, vous avez vu, hein, je suis trop fort. Oh, le gros paquet de bouffe. Hein. Yeah! Oui, 5$ et 120 de bouffe. Toujours bien, 5$. Ça met du beurre dans les épinards. L'homme qui faisait des ribs sans le savoir. Dick shot. Des balles. De la bouffe. Tellement de bouffe, quoi. La canette de Dr. Pepper. Ah, elle est bloquée par un zombie.
Non, barrez-vous, je veux mon Dr Pepper. Je l'avais commandé avant vous. Je voulais mon Kinder Bueno. Mon Dr Pepper. Voilà, j'ai eu mon Dr Pepper. Après, on est en Zombie Activity Medium. Non. On va réparer la voiture. Voilà. Impeccable. On m'en a utilisé que deux. Tiens, on va voir. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Pareil, la même. On essaye de pas se viander comme une merde. Oui, bon, d'accord. Moi, voilà. J'aurais dû fermer ma gueule, en fait. Ok, et tout le monde va se reposer une heure, comme ça tout le monde va être full life. Hein. Nickel, et comme ça on va pouvoir repartir. Est-ce qu'on peut acheter des trucs? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? L'essence à la rigueur, ça serait intéressant, mais pour le moment on en a combien? On a combien? On a 16. Ah ouais, c'est pas beaucoup en fait. Hein. Bah tant pis, on va faire avec. Allez, zou, on se casse. 212 miles jusqu'à Saint-Louis. Je crois que 1 miles... non, Tremblotte a été faire un petit tour pour aller pisser et est revenu avec une morsure. Tremblotte a été mordu et s'il meurt, il se transforme en zombie. Merde. Votre batterie s'est cassée, mais vous avez été capable de la remplacer depuis vos réserves. Impeccable. Merde. Oh là là. Tremblotte à la méga ultra chiasse. Oh, le jeu qui veut absolument tuer Tremblotte, quoi. Vous voyez une tombe avec un pauvre être enterré sur le côté de la route. Est-ce que vous voudriez aller regarder? Bah, pourquoi pas. Allez-vous. Riven a perdu la partie. Bah, ça marche. Voilà. Tiens. Game over, une deuxième fois, remets une pièce. Ah non, mais la batterie a encore pété. Qui c'est qui mange la batterie? Qui c'est qui grignote la batterie à chaque fois qu'on se déplace? Tata, arrête d'essayer de manger la batterie, s'il te plaît. Vous entendez des coups de feu d'un bâtiment proche. Ah, on arrive à Saint-Louis, on voit l'arche de Saint-Louis. Voilà, Saint-Louis. Saint-Louis, hein, qui est le théâtre d'un jeu et également d'une série qui s'appelle... Ah, Kira pourrait vous le dire, il est fan aussi, en fait. Je sais plus. De toute façon, dans les commentaires, vous saurez. Vous saurez me le rappeler. Une série qui est, ma foi, assez cool, en fait. Ce qu'on va faire, je pense... Non, on se casse pas. Deadly... Vas-y, on va se reposer. Voilà. On va se reposer 2 heures. Pendant que Tremblotte a la chiasse. Et il va manquer de se faire zombifier. Toc. Du coup, il est quelle heure là? Zombie Activity High. Merde. On va réparer la voiture pendant ce temps là, du coup. Voilà. On a des trucs à faire de notre vie. Hein. Ouais, ça va. C'est honnête. Ah, super. Tremblotte n'a plus la chiasse.
double perfect. Eh ben nickel. Alors, on me signale dans le chat, j'ai plus de batterie, effectivement. On pourrait tenter de faire un trade. Un de nos pots d'échappement contre une batterie, c'est honnête. Vous ne rencontrez plus personne d'autre. Combat training, non, merde, c'est pas là. Là, auto-shop. Vitre teintée. Quand on... si on tape contre des zombies, du coup, ça fera pas de dégâts à la bagnole. Ouais, on pourrait essayer. Mais, ah. C'est 40 pour une. Et ça... 38 pour 1, vas-y j'en achète un, on sait jamais. Ok. Je pense que éventuellement. Ah, et j'ai envie de scavenge. C'est pas grave, si le risque est élevé, on s'en fout. Je suis sûr qu'on peut survivre. On peut le faire. Alors on me dit la meilleure difficulté du jeu ça doit être difficile. Oui et non parce qu'en fait plus tu vas dans le difficile et plus il y a du random dégueulasse. Allez allez on peut le faire. On peut tenir. Oui, 200 de bouffe et 20 de scraps. Regarde-moi ça. Zombie activity, medium. Mais rien à foutre, mec. Voilà. Mais je suis un rebelle, moi. Je suis trop balèze. Vas-y. Gad, bim. Gad, dick shot. Ouais, bon. Ouais, bah voilà, je l'ai eu. C'est lui que je visais, en fait. J'ai pré-fire. Et je cherchais la bouffe. C'était une canette de Dr Pepper, on laisse pas passer ça. Tiens, bim. Bon, 20 de bouffe, c'était pas excellent. Hein. Là, le jeu est super cool avec toi. Non, pas tellement. Tremblotte s'est fait mordre par un zombie par exemple. Tu vois. Et il se peut que quelqu'un en fait aille pisser et ne revienne jamais. Ça arrive. Je veux les balles qui sont là-bas. Je les veux. Elles sont pour moi. À moi. Ah ça va être chaud. Bah, j'ai disparu. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'aller chercher le scraps. Mais c'est pas grave, on a 100 de bouffe et 20 de scraps. C'est honnête, hein. Franchement. Moi, je dis, on pourrait y aller en fait là. On pourrait se casser. Ouais, je dis, on va se casser. On se casse. Allez, zou. Vous devez traverser une horde de zombies pour continuer votre route. La horde en face de vous est modérée, mais agitée. On pourrait attendre pour voir si elle se disperse, je pense. 10h. Ravenous. Oh, c'est pas cool ça. Non, on va attendre un peu. Agitée. Petite et agitée. Allez. C'est pas grave. Boum. Tiens, boum, boum, boum. Tiens, regarde comment je m'infiltre, moi. Je m'infiltre comme ça, mec. Boum. Allez, on est passé à travers.
201 miles à la grotte, pour arriver à la grotte. Zoizou a de la fièvre. Ça, je t'avais dit de pas faire l'amour avec Tremblotte, hein. Il a été mordu, hein. C'est pour ça que t'as de la fièvre. Zoizou s'ennuie et commence à faire un son vraiment ennuyant. Ta gueule! En parlant de bouffe, eh ben évidemment, ça nous donne finalement envie de bouffer, hein. Zoizou, bordel! Vous assoupissez au volant et vous viandez dans une voiture garée. Merde! Oui, je sais, c'est de ma faute et voilà. Kira était en train de tenir la map à l'envers. Vous perdez une heure à retrouver le bon chemin. Mais merde, tu fais chier, Kira! Je croyais que tu savais dessiner, quoi, un petit peu. Ouais, mais non, je croyais que ça c'était un chemin de fer. Mais non, ça se voit, ça n'allait bien, c'est marqué en bleu. Ouais, je distingue pas les couleurs. The Cave. Et nous voici donc à The Cave, et je vous propose que nous nous quittions sur cette deuxième VOD, sur la deuxième saison d'Organ Trail. Personne n'est encore mort, voilà, moi je suis plutôt content. Le jeu est vraiment super cool. Si je m'en fais une deuxième saison, c'est que le jeu me plaît. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette deuxième VOD sur Organ Trail, sur cette deuxième saison d'Organ Trail. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, un commentaire, éventuellement partager les vidéos avec vos amis, votre famille et qui sais-je encore. Plein de gros bisous, surtout hashtag Amour Viril. Hell yeah!